Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulle est aux commentaires. Bonjour Darren. Et salut à vous Grégoire, c'est un plaisir immense d'être ici pour ce match qui s'annonce passionnant. Et voici donc Montpellier Hérault Sporting Club contre le Paris Saint-Germain. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. C'est parti. Bedimo. Centre détourné. Attention! Oh, quelle agressivité défensive! Une longue passe. C'est une faute, coup franc accordé. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Un centre! Défense va pouvoir respirer. Alors là, il ne prend aucun risque. Estrada. Ouais, c'était bien parti, mais à l'arrivée, c'est tout gâché. Waro. Il tente de la jouer dans l'espace. Marmot. Bocali. Estrada. Il glisse le ballon en profondeur. Mamadou Sakho maintenant. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Souleymane Camara. Ça passe. A frappé. Oh, ballon perdu. C'était pourtant bien parti. Thiago Silva. Eh non, ça n'ira pas au bout. Matuidi. Thiago Motta. Le ballon a franchi la ligne. Centre. Elle réussit une tête. Oh, c'est dedans. Et ouverture du score pour le PSG. Quelle erreur. Et derrière, c'est la punition immédiate. C'est vrai que ce genre de course peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. Bien rentré dans ce match et ouvre la marque très tôt. Bon, ils ont marqué vite dans ce match, mais il en faudrait peut-être un autre pour se mettre à l'abri. Pas de hors-jeu, il y va. Un centre dans la surface et c'est au fond. L'égalisation de Montpellier. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Il a sauté pile au bon moment pour passer cette tête, c'est bien joué.
jeu reprend sur un score de parité. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Ménez maintenant. Il est perdu ce ballon. Bedimo. Il doit jouer vers l'avant. Oh, l'accélération. Et non, ce ballon ne trouvera personne. Il n'est pas en jeu. Ménez. Oh, ça, défensivement, c'est très fort. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Oh, la main ferme. Et malheureusement, ça ne donnera rien. Marlowe. Estrada. Belanda. Pour trouver la faille dans la défense. C'est le défenseur qui s'impose. Lavezzi maintenant. Estrada. Ballon intercepté. Matuidi maintenant. Encore un quart d'heure avant la pause. Oh, l'interception. Et maintenant Thiago Motta. Matuidi. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Il peut conclure. Il peut tirer là. Il est vraiment, vraiment en retard. Réelle opportunité de prendre le dessus sur ce coup franc. Surtout, il ne faut pas la gâcher. Oh, le coup de génie! Quel but! Quel bijou! Et ils sont à nouveau devant. Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Montpellier au Sporting Club, les voici avec un but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Van der Wiel. Il joue dans l'espace. Il déborde sur l'aile. Attention au centre. C'est bien repoussé, un peu d'oxygène. Ce ballon devant le but. Allez, de la tête. Il était vraiment à deux doigts de marquer. Bonne touche, ça peut mettre la défense en danger. Sifflet normal, il est hors jeu. Cinq minutes avant la fin de cette première période et toujours un petit peu d'écart. C'est parti de mener. Thiago Silva. Estrada. Matuidi maintenant. Thiago Silva. Van der Wiel. Un centre. Et le danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon.
déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. C'est une bonne première mi-temps, mais à mon avis, il faudrait quand même varier un petit peu plus le jeu. 2-1 au tableau d'affichage, un seul petit but les sépare.